Salut YouTube, c'est Chris. Je vous avais promis de faire des lives. J'ai testé ma connexion, a priori ça tient. On va croiser les doigts parce qu'avec ma connexion on n'est jamais à l'abri que quelque chose se passe de bizarre et que du coup le live commence à bugger, que vous ne m'entendiez plus, que la vidéo ne soit plus fluide. On va faire avec, on va essayer. Et donc ce soir je stream à 20h sur le jeu Stray qui vient de sortir. Donc c'est un jeu très mignon où on joue un petit chat. Donc je pense que ça devrait plaire à la plupart d'entre vous là sur la chaîne. Donc on va jouer un petit chat qui est un chat errant, un petit chat roux très mignon vous voyez. Et qui est perdu dans une ville plutôt étrange, habitée par des robots dont la plupart sont morts. Si un robot peut être mort. Et donc c'est un mini-jeu d'énigme en fait où eh bien, il va falloir que notre petit chat arrive à retrouver son chemin parce qu'il était séparé de son groupe de chats et donc il retrouve son chemin tout en résolvant les énigmes. Je ne sais pas si je finirai le jeu ce soir en live parce que je vais pas live jusqu'à 5h du matin non plus. Mais voilà, au moins ça commence à 20h, je pense que ça se terminera vers 1h du matin maximum pour dire de pas être trop éclataxe après demain. Au pire, on continuera le jeu en live un petit peu plus tard si jamais vous en avez envie et que ça vous plaît. Et n'hésitez pas, voilà, à passer dire coucou, à venir parler dans le chat. Je vous mets le lien dans la description de la chaîne, enfin dans la description ou dans le premier commentaire peut-être d'ailleurs. Et vous êtes bienvenue évidemment pour venir, même si ce n'est que passer dire bonjour ou si vous avez envie de venir regarder un petit peu le gameplay, de venir discuter. Alors je vais sans doute être concentrée sur le gameplay donc je sais pas si on discutera beaucoup ce soir. Mais vous pouvez toujours tenter et quand il y aura des moments plus calmes dans le jeu, eh bien on pourra un petit peu discuter. Même si c'est un jeu qui est très contemplatif et donc il faut être assez aux aguets et assez concentré pour pouvoir trouver les indices et trouver sa route pour résoudre les petites énigmes. Je sens que je vais y passer un certain temps et je suis plein de poils, n'est-ce pas vous? En tout cas, il y en a un qui va suivre les aventures de son congénère ce soir avec passion. À ce soir peut-être, ciao YouTube.